Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour l'Alphabet Challenge E, qui est donc étoile. Donc, j'ai mis le petit O avec les étoiles. Voilà. Donc, écoutez, j'ai pas grand-chose à vous expliquer. J'ai fait... C'est le trend du moment... avec mon pistolet à colle, des vaguelettes comme ça, et j'ai mis un fard multichrome par-dessus, qui vient de la palette Adept, que je vous remets le swatch and make-up en barre d'infos, que j'ai reçu dans le swap avec Manon, et voilà. Donc j'ai pas mis de base, puisque j'en ai pas vraiment besoin. Oui, je fais des make-up de feignasse pour ces vidéos-là. Donc je me rapproche un petit peu, et on attaque. Alors, encore une fois, il est très, 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 très tôt. Il est 7h du matin. Voilà. Comme ça, ceci explique le pourquoi du comment j'ai l'air fatiguée et momolle. Donc, je prends une colle à fossiles pour commencer. Donc, je prends une en tube comme ça, plutôt que de prendre ma petite colle à fossiles que je mets dans un tips. Voilà. On a toujours des capsules comme ça, de taille qui ne nous... conviennent pas, donc moi elles me servent à d'autres choses. J'ai découpé des petites étoiles dans du papier parce que ça j'essaye pas de faire à main levée, hein. C'est très compliqué pour moi de faire des étoiles à main levée. Il y en a qui arrivent vraiment très bien, moi c'est pas mon cas. On peut pas avoir tous les talents dans la vie. Alors je vais en mettre une ici. You call. En espérant que ça tienne quand même un petit peu. Et j'en mets une deuxième. Donc je ne mets pas trop de colle, hein. Ça ne sert à rien qu'il y en ait vraiment beaucoup, puisque après je vais les enlever. Et je vais mettre la deuxième comme ça. Voilà, j'en vais. Ok, alors on va rester dans le jaune doré, donc je prends la 24A Artiste Passe, parce que c'est celle qui m'est tombée sous la main. Je prends un gros pinceau fluffy et je vais commencer d'abord par cette teinte-ci, ouais, un peu orangée, ça fera un peu sunset comme ça, mais voilà. Donc je fais juste mon creux, ça aurait pu être un make-up folichon pour les yeux. Mon coin externe et mon racine. Et je fais déjà le tour de mes étoiles. Chose que j'aurais pu faire après avoir fait le deuxième œil, mais bon. Il est tôt, on va pas me demander de réfléchir. Donc j'essaye de ne pas faire un trop gros trait. C'est juste vraiment pour marquer la forme de l'étoile. Voilà pour cette partie-là. Alors, je vais prendre un autre pinceau fluffy pour commencer, et je prends le jaune juste à côté pour dégrader mon orangier, et pareil sur le tour des étoiles. Donc je repasse sur le orange pour le jaunifier un petit peu. Premier pinceau pour refaire le dégradé correctement dans le creux. Pinceau plat est toujours le jaune que je mets sur ma paupière mobile. Alors je prends un pinceau plat mais fluffy en même temps pour estomper, et je vais prendre le doré qui est ici, le grand. Donc ça, je balaye sur ma paupière, je balaye sous le sourcil. Et je balaye le tour de mes étoiles externes. Voilà, je ne fais pas ici. J'ai cru que je n'avais pas mis enregistré. Alors, gros pinceau estompeur. Enfin, pinceau estompeur, quoi. Et je blende partout. Et avec mon pinceau, je prends l'autre côté du pinceau et je vais prendre ce fard-là. Pour remettre... au doigt
Il est un peu sec. Il est même très sec. Ah, merde. Voilà, j'arrive enfin à avoir de l'agent liant. Je vais même en mettre dans mes sourcils. Et je vais encore être contente de me démaquiller après. Et pareil, tour des étoiles. Tour des étoiles. Je vais juste mettre celui-ci en coin interne. Et on aura fini avec les fards. Et donc, on peut enlever. Oh, j'ai mis un peu beaucoup de colle. Je vais me faire une épilation de sourcils là. Ah, ça va. Ouh. Donc voilà pour ces étoiles là. Ah, j'ai le bout du nez gelé. Je vais aller mettre mon petit chauffage. Alors, je vais reprendre mon pinceau estompeur. Donc là, je. Non, je l'essuie. Je reprends ma Too Faced Turn Up the Light. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en highlighter. Je prends le côté glue pour mettre à l'intérieur de l'étoile. Je ne vais pas faire de liner, mais je vais coller mes petits trucs. Donc je reprends ma colle. Je mets au cul du bazar, tout simplement. On en voit partout en ce moment, ces trucs-là. Et c'est là qu'on se dit, mais l'idée, elle est géniale. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? On peut pas penser à tout. Ah, il est en train de jouer avec ma déco. Laisse ça. Et donc, on colle. Donc forcément ce sera pas symétrique hein, puisque c'est pas évident. Surtout que j'ai pas un pistolet à colle très fin, moi, très petit, vous savez. Il y a des tout fins, moi j'ai un basique de bricolage. Là, il tient pas beaucoup au centre. C'est pas grave. J'aime trop le rendu de ces trucs-là. Je vais le faire souvent, je pense, dans mes prochains make-up à thème. J'aime trop. C'est superbe. Superbe. Je vous fais pareil de l'autre côté. J'aime trop ce truc. Je vais le refaire. Dans d'autres make-up, ça c'est un fait. Alors, je vais également mettre des petits bijoux dorés. Je voulais mettre un pendant ici, mais j'en ai que des argentés. J'ai pas de doré. Miu. Je suis en train de me foutre de la colle partout. Ok, on va en rester là pour cela. Et bien sûr, qui dit étoile dit stempel étoile. Obligé. Et ben voilà. Je crois que je suis dans le thème. Je crois. Je vais peut-être juste rajouter une grosse étoile dorée ici. Donc là, j'ai des. Comme ça. Ok! Bah écoutez, j'aime beaucoup. Alors, je vais mettre juste du mascara et du crayon doré, je pense. Ouais, doré. Sur les lèvres, je vais mettre le truc comme ça. C'est des gloss multichrome de chez Focalure. Alors, je ne sais pas vous dire la teinte, je ne sais pas la lire. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. We'll be right back.
Donc voilà le look final pour étoile. Je pense que c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Voilà. Mais alors cette technique du pistolet à colle et du fard multichrome passé dessus, je l'ai juste passé avec mon doigt. Hein, et ça a marqué tout de suite. J'adore. J'aime trop le rendu. Je suis fan, je suis totalement fan, je vais m'en servir dans beaucoup de make-up, voilà, et peut-être de bricolage aussi, qui sait. Bref, donc je vous demande pas pour les prochaines lettres, parce que là, on en est à H dans ma liste, donc là je viens de faire E, F, G, H, il y en a encore 3 à faire, je vous mettrai des sondages sur Instagram, ça sera plus simple que me répondre en commentaire ici, c'est moins disparate. Voilà. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce look si je remplis le étoile pour le E. Je crois que c'est vraiment mon préféré jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup aimé le arabesque aussi. Ouais. Les deux. Voilà, arabesque et étoile, pour l'instant, c'est mes deux préférés. Donc je vous mets la playlist en barre d'infos. Et voilà, n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je n'ai plus qu'à vous dire bisous.